Et salut tout le monde, c'est Brudaf, toujours en compagnie de Slan. Comment vas-tu, Slan? Ça va super, ça va super. Ça va gérer toi l'électricité? Pas du tout. C'est vrai, je regardais ça là parce que entre deux épisodes, on est à 651 sur 600 et dans 14 minutes ça va couper. Ouais, il va me Donc faudrait que falloir tu trois fasses quarts une autre d'heure à peu près pour centrale. faire l'électricité. D'accord. Et en attendant, je me démerde, c'est ça? C'est ça. Ça marche. Enfin. Ouais. Allez, en plus on a de la biomasse, on a des générateurs. Go, c'est parti. 1, 2, 3. Alors moi j'ai pas assez de béton, donc je vais aller faire plus de béton. Ok. Allez, où? On aura une alerte quand les accus seront pleins, je pense, hein. Ils seront vides, tu veux dire. Parce que Ah, mais là, ils sont attends, pas prêts d'être pleins. on a consommation et production qui sont équilibrées. Exactement. Comment c'est possible? Ça peut durer. Non, 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 mais il y a un équilibre qui se fait. Ça veut dire quoi? C'est les centrales ou les générateurs à biomasse qui ne produisent pas pour mettre dans le. Ils remplissent pas les accus. Et parce qu'ils fonctionnent pas les générateurs à biomasse. Si, si, ils sont allumés. Et regarde, on a un équilibre parfait. Les accus ne sont pas remplis par les générateurs à biomasse en fait. Je pense que les générateurs à D'accord. biomasse consomment uniquement. Ouais, je le vois, ouais. La consommation, elle n'est pas régulière. De temps en temps, ça s'arrête, ça ralentit, puis ça reprend, etc. Donc en fait, les générateurs à biomasse font pile poil le complément, mais ne remplissent pas les accus. Donc c'est pas gênant du tout. Du coup, j'aurais pu tous les allumer. Ah, parce qu'ils Ok. consomment quand même. Bah non, ils consomment que quand je vois leur consommation qui varie en fait. Non, mais je veux dire, les générateurs à biomasse, à partir du moment où ils sont allumés, ils consomment la biomasse. Et bah plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant qu'on a des accus et qu'on a des centrales à charbon, ils ne consomment que pour équilibrer. Tu peux regarder, hein, nos accus ne montent pas et ne descendent D'accord. pas. Et ils s'équilibrent en fait. Tiens, deux forêts MK2, non, j'ai construit tout ce qu'il me fallait. Presque tout ce qu'il me fallait. Alors, Allons-y. Donc on va pas oublier de prendre l'énergie. Pour pas faire le glandu. On va aller utiliser le calcaire qui est ici et un autre calcaire qui est plus loin. Alors. Ok. Forêt MK2. Placement non valide. Oui, normal. Il faut d'abord aller miner. Comment on fait pour miner? Je n'ai pas le droit de miner parce que j'ai plein de trucs dans mon inventaire. Vous me fatiguez. Donc toi, tu augmentes la production des centrales en bas pour l'instant. Voilà. Ça marche. Oui, parce que la base là-haut, elle est pas prête d'être terminée, hein. Oh, ça va, ça avance bien, mais c'est-à-dire que, comme on le disait, pour monter l'eau, ça coûterait de l'énergie. Donc si on n'a pas un peu d'énergie d'avance, ça va être problématique.
de tomber en panne d'énergie parce qu'on essaye de faire plus d'énergie, quoi. Alors, hop. Là. Donc ici, le broyeur Sam, c'est fini. Il arrête de broyer. La foreuse MK2. Sérieux? Le sol est trop incliné, donc je peux venir jusqu'ici. Mais après, je devrais pas pouvoir rejoindre là-bas. Ouais. C'est pas grave. Où est-ce que je vais faire mon calcaire temporaire? Sûrement là. Sûrement là-haut. Alors, une petite peu. T'es calme. T'es trop calme. Ouais, je suis en train de raccorder mes tuyaux. Hop. Non, on va le mettre au bout là-bas. Ah, vivement que j'ai mes tuyaux MK2 quand même. Oh, ça va. Qu'est-ce que je voulais? Oui, des Ça plaques. va, ça va. C'est jalon 6. C'est-à-dire que tu as eu l'objectif de la phase 2 de l'ascenseur et après, faut que je passe au moins un jalon. Ouais, ça sera pas dur. On va passer plus de temps à remettre en base notre base en route. Avec le nouveau système, mais l'avantage c'est qu'après évidemment, elle va monter en puissance très rapidement. On pourra facilement faire plus de fonderies, plus de production, plus tout ça, et ça ira à toute vitesse. Là, on aura de la facilité pour amener les ressources, etc. L'idée c'est de ne pas s'embêter avec tout ce qu'il y a au sol. Alors ici on va mettre un groupeur. Très bien, donc maintenant, tout ce qu'on veut, nous, c'est des constructeurs ici. 6.
3, 4, 5, 6. Hop là, du béton. 45, 45, 45, égale 135, 45, 45, 45, égale 270. Mais en même temps, on ne ramène que 240. Hop. Ça, on raccorde aussi. On va faire le setting à la boudaf. Setting tentacule. Alors que moi je fais un setting peigne en général. Il est très bien mon setting. Ouais, toi t'aimes bien le setting tentacule. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, tu fais un répartiteur qu'on voit dans deux répartiteurs, qu'on voit dans chacun dans trois trucs. Tu mets que trois répartiteurs en fait. Tu fais comme un arbre en fait, comme un arbre généalogique. Alors qu'en général, moi je fais un setting peigne. Hop là. Voilà, super. Alors ensuite, donc là, regardez, hop, il s'est intercalé, c'est type à bout. Très bien, bon bah maintenant j'ai plus qu'à regrouper tout ça. Et encore recoupé. Et ensuite aller là-bas. Oh, c'est abusé. Bon, la flotte s'est raccordée. Il manque le charbon. Et je sais pas si je passe mes 2000 en MK2, si ce sera suffisant pour alimenter tout ça. Bah, est-ce que t'as fait la même quantité que... que la première fois? J'ai fait la même quantité de... Donc si tu doubles tes mines, et ben ça va doubler ta capacité. Donc là, avec des éclats de charge, elles font du 60. Donc ben, elles font du 120 quand... elles font du 120 quand tu les auras doublées. Parfait alors. Faudra juste que je passe ensuite les tapis en... également MK3 ou MK2. Parfait. Je vais faire du MK3, je pense. Bien, allez hop. Je suis blindé de béton. Je vais aller me vider un peu. Hop là. J'ai une cochonnerie sur moi. Comme ça aussi. J'ai du calcaire. J'ai l'impression que celle-là soit à fond.
Si, pourtant. Hop, non, non, pas tout. Ça, par contre, oui. Là, j'en ai probablement un peu trop. Quoique, pas forcément. Allez-y. Le reste, c'est du béton. On y va. Donc, plan. Ça. Ouais, là, je peux Ah, il faire manque des 10, poutres en 10, acier. 10, 10. Ouais. Oh, ça se fait bien, hein. Ben, je vais les rechercher. Ouais. Je vais check la production puisque c'est à moi de check. Non, bah consommation 750. Production 750. Qu'est-ce que ça Bon, peut coûter? t'inquiète, là, une fois que je raccorde les tapis de charbon de la nouvelle centrale, on aura du 1200 de la centrale. Bah j'espère bien. Parce que les pauvres générateurs à biomasse, hein, je les vois transpirer. Écoute, au final, j'aurais été un peu plus vite que ce que je pensais. C'est trop rapide. Mais t'avais un blueprint de centrale? Ah, mais la centrale a été déjà posée. Il En manquait plus que les plus. raccords à faire. Ah bah bravo, belle mentalité du coup. Bah, ça fait bien longtemps que j'aurais dû augmenter la capacité d'électrique. Te le fais pas dire, tu traînes. Mais tu m'avais demandé d'autres choses, alors bon. Oui, mais si tu m'écoutes et que tu fais pas ce qu'il faut faire à la place. Oh bah déjà que je t'écoutais pas souvent, je crois que je vais plus t'écouter du tout. L'électricité. Alors, ensuite Alors, ici. un petit MK3. Ok. On va aller d'abord poser des trucs comme ça. Avant. Allez, plan. Pump up. Ah, c'est là. Dis comment mon stock maintenant? Toujours à 100%. Pas grave, on en fait d'autres. Ah, j'ai oublié un des raccords ici. Est-ce que j'ai de l'espace maintenant? Ouais. Pas beaucoup. On va continuer. Hop là. Chaque fois que j'arrive en haut, je vois un peu le jour et hop, juste après, je ne le vois plus. Ah, ils sont déjà raccordés, celles-là? Eh oui. Je les avais même déjà raccordés au réseau. Bon, ok. Donc on fait déjà du 1050 maintenant. Ah bah voilà. Toute cette énergie alors qu'on n'en a pas besoin. Quel gaspillage! Ne gaspille pas, je prévois ta folie des grandeurs.
Ok. Ah, on n'a pas débloqué les petits picots pour mettre l'électricité au mur. C'est de la triche. La triche parce que je m'en sers sans cesse. Va falloir que j'aille faire ça. Ah oui, ils sont bien. Hein. Non, mais c'est surtout que j'en fais en fait. J'arrête pas d'en faire, c'est comme pour l'échelle quoi. Même concept. Voilà. 1350 de capacité maintenant. Oui, bah c'est grâce à Avec ma tes biomasse. générateurs. Bah, en production, je fais du 1200. Pas Tout il est nickel. Alors, bizarrement, je vois pas les cheminées cracher de la fumée dans les nouvelles centrales, mais elles non, fonctionnent. mais toi, tu vois jamais ce que tu devrais voir. La question se pose même pas. Alors, on va faire un double coffre ici. Bien, donc on va pouvoir aller s'occuper d'aller chercher des électrolimaces, peut-être. Je n'ai pas le scanner. Faut que je le refabrique. Mince, trop incliné. Moi qui fais tout ici. Pendant que monsieur veut aller se balader. Hey, c'est pas une balade champêtre non plus ce que je vais faire. Hop là, bon. Parfait. Parfait. Bien, bien, 84. bien. Tu pourrais me ramener plein de plaques d'acier pour que je te tire tes trucs vers le haut? Ouais. Je suis en train de le faire là, mais je vais être obligé de m'arrêter rapidement. Ouais, je fabrique juste mon petit scanner avant et après je te ramène ça. De toute façon, ça presse pas parce que. Ben, après, je peux aller faire autre chose. Ouh, ça, c'est un échec. Alors, un petit scanner. Hop. Monsieur veut des plaques d'acier. Des poutres d'acier. Oui, des poutres d'acier, oui. Bon, tac, tac, on va poser ça me prend de la place pour rien. Ok. T'as encore des choses qui se font dans le broyeur? Il y a deux broyeurs, donc quand on met dedans, en quelques secondes, ça part, hein, malheureusement. Donc je disais, oui, je te fais tes tuyaux en même temps, tous les tuyaux. Ouais, d'accord. Tu veux que je te ramène de la tôle ou t'as assez pour Bah les ouais, je veux tuyaux? bien de la tôle aussi, ouais, parce que comme je veux te faire la totalité des tuyaux. Par contre, pour les tapis, je t'en fais que deux. Pour le moment. Bah oui. Hop, pump up. Qu'est-ce qui pourrait me manquer aussi? Pas grand-chose. Le reste, j'ai assez pour faire une dizaine de fois, je crois. Hein, donc. J'avais si, voilà, j'avais un peu de tôle.
va aller chercher. Faudra que tu sois rigoureux quand tu vas les upgrader en MK2. Parce que le moindre petit tronçon oublié et t'as toute ta hauteur qui est en MK1. De quoi? Quand tu vas upgrader en MK2 tes tuyaux. Ah, ouais. Faudra être rigoureux. Bon, je te ramène de la tôle et je te ramène des poutres en acier. Ça marche. Donc ça, ce n'est que la première montée, puisqu'après, il faudra que je fasse la deuxième montée, celle qui est avec des rails à mon niveau. Il Mais est. avant, il faudra rejoindre. Donc on a un petit peu de temps T'es hein, avant où? que ça se... Je te vois plus sur la minimap. T'es où? Je suis Enfin, tout sur la en haut minimap, c'est là. D'accord. des pompes. Hein. J'arrive. Où je pige. Il me dit merci avant que je lui ai donné les trucs. Alors, je prends en premier les poutres. Ouais, bah je te pose tout ça là. Parce que j'ai peur que tu m'en donnes trop en fait et que je puisse pas tout Voilà. prendre. Non, je peux pas prendre, il reste des tubes ici. Pas beaucoup, c'était bien dosé. Bah, j'ai pris. Ça marche. Est-ce que je vais laisser ça? Ouais, je vais laisser ça ici. Non, là j'ai rien laissé. C'est bien raccordé. Là c'est bien raccordé. Allez, on monte. Non, on m'envoie pas en bas. J'ai eu peur pendant la sauvegarde. J'ai flippé! Bien. Et repartir à la recherche d'Elimas. J'aurais besoin de toi pour faire Et autre chose accessoire. avant. Oui, c'est-à-dire. Eh ben, me tirer la plateforme en béton jusqu'au-dessus de ma base. À partir du haut. Ouais. Normalement, il y a plein de béton. Donc ça va aller assez vite. Bah, j'en ai un peu sur moi, mais. Non, non, il t'en faudra vraiment des tonnes. Mais normalement, il y en a plein. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Alors, fondation. On les fait en 1 mètre. Non, en 4 mètres et de 3 de largeur. Ah, voyons. Bon bah je vais descendre. Voir si t'es parti dans la bonne direction. Normalement ça devrait pas Parti tout droit. Tout droit, oui. Je conçois. Reste plus qu'à savoir dans quelle direction. Oh, le nord, le sud, suivant là où on est Suivant comment tourné. on se Hein. tourne.
Bah t'es où là? Bah je vais faire ta base. Ah putain. Attends, faut que je remonte. J'étais aspiré. Parfait. Parfait, parfait. La hauteur parfaite. Tout est parfait. T'es un génie. Ah, accessoirement, je me suis dit, oh, il a dû l'orienter son truc. Puis après, j'ai vu en contrebas ta base, j'ai fait, oui, bah c'est ça. Allez, donc là, il faut que je monte pour tirer les. Pour tirer les rails maintenant. Non, combien j'en ai des. Oh, j'en ai 1000. Non, j'en fais que deux pour l'instant. Oh, l'échec critique. Double échec critique. Bah là, je suis au-dessus de ta base. Ça marche. Avance un petit peu dans le désert. Bah là, j'ai plus de béton. Bon, bah voilà, t'as fait ce qu'il fallait. Jamais survivre à cette chute. On verra bien. Oh, il me reste un demi-cœur. Heureusement que je suis bien retombé sur le tapis. Non, non, ça change rien. Moi aussi, j'avais sauté et ça avait marché. Et effectivement, il me restait moi aussi un demi-cœur. Effectivement, il y avait plein de béton. Faudrait même que je la fasse sur 6 et pas sur 3 le truc là. Non, 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 c'est qu'un repère. Aïe, moi j'ai pas survécu à une chute beaucoup plus petite. Ben, on y retourne. C'est pas doué. Ben, je crois que ça n'a rien à voir. Pas un petit peu quand même. C'est parce que j'ai fait des rebonds. Et j'ai du mal à raccorder le tapis à un endroit. Bah si t'as fini de faire ça, il faudrait faire un autre truc. Parce que moi je vois que je prends du retard sur ce que je devais faire. Il faut maintenant que tu ailles en bas, que tu fasses une rampe et que tu tires un pilier qui descend jusqu'au sol. Et il n'y a pas le choix, il faut mettre des blocs de 4 mètres les uns en dessous des autres. Des blocs de 4 mètres. C'est-à-dire ton plan là de pièce vide, c'est ça? Non, pas du tout. Des blocs de béton de 4 mètres de haut. Il faut faire une rampe qui part de ma base. Oh, putain, je vais remourir. Oh non, c'est pas sérieux. C'est vrai que j'ai reçu à nouveau 2 secondes. Donc faut faire une rampe qui monte. Ah bah si t'es en haut là ou t'es en bas? En haut. Ok. Bah une fois que tu seras au-dessus de la base, là t'es déjà au-dessus de la base, hein. Tout ce qu'il faut c'est faire une rampe, hein, pour voir le truc que tu viens de faire par en dessous.
et descendent un pilier de béton jusqu'au sol, pour que le repère maintenant se retrouve au niveau du sol. Parce que tout ça, ce n'est qu'un immense repère. Bien. Ma vie est compliquée là quand même. Ah, mais je peux pas savoir si ça marche ou pas. Il n'y a plus de plaque. Pour ça que j'ai l'impression que ça marche pas, alors qu'en fait, si ça se trouve, ça marche. Allez hop, on va en mettre beaucoup plus. Tiens, on va mettre du béton. Que la ronge la fait arriver là dans en plein dans tes constructions. Je vais la faire tourner. Hop là. Parfait. Et reparfait. Plus que deux ou trois. Trois. Ah bah celui-là déjà on sait que c'est pas bon, on redescend. Pas moi. Voilà. Donc on y accède depuis le bout de ta base. C'est pas un accès que je veux, hein, c'est un pilier vertical précis. Non, mais la rampe. D'accord. Après, donc, faut que tu tires le pilier vertical. Et après, bah, j'ai plus besoin de rien. Moi, je finirai ton pilier, puis après, comme ça, je pourrai aller dans le prochain épisode faire mon pilier. Qui sera le prélude à la nouvelle base. Si je meurs pas 17 fois d'ici là. Oh, non, c'est bon. Allez, plus que deux hauteurs de constructeur MK3. Et après, faut que je... On retourne faire tes tuyaux. Ah mais... Ouais, ça c'est un échec. En fait ça me rajoute un mur sur le... sur la fondation. Ça... J'arrive pas à le mettre sous la fondation. Tu sais qui... Pourquoi un mur? Bah, tu voulais des fondations de 4 mètres. Je veux des fondations de 4 mètres. Oui, qui fassent pilier jusqu'en bas, ouais. Ah, d'accord. Hop là, donc là, je pense qu'on est bon. Est-ce que j'ai fait cela? Oh, j'ai l'impression que j'ai fini. Je crois que j'ai fini les convoyeurs verticaux. La saleté. Eh ben non. Mais je te fais qu'une seule fondation de 4 mètres comme ça. Oui, une seule, oui. C'est un repère. Yes!
ma vie se régénère beaucoup trop lentement pour que je puisse survivre. Comme j'arrête pas d'enchaîner les chutes. Hein. Je vais en profiter à chaque fois, bah, à ça. Chaque fois pour vérifier que j'ai rien oublié. En profiter, il y a une petite limace au-dessus de ta base. Et monsieur est parti chasser les limaces. Pourquoi je suis pas Bah, étonné? je passe à côté. Ça va être la faute des limaces bientôt. Ah non, de ta faute, parce que t'as fait ça juste à côté. Et mince, je me suis foiré. Voilà. Marche mieux quand on se trompe pas de bouton. Maintenant, je suis en train de faire les pompes. Bon, je suis à mi-hauteur. C'est bon. Deux, c'est que c'est raccordé. Mais à chaque fois, j'ai 12 tuyaux à faire. Hein. Chaque étage. Six au-dessus des pompes et 6 en dessous. Ah, mais j'arrive presque au bout, presque en haut. À mon avis, encore un ou deux. Puis après, il va falloir faire le rééquilibrage. Comme on a vu, on va pas tomber juste ou pas tout à fait juste. Voilà, t'as ton pilier jusqu'au sol. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as une avancée comme ça. Je m'occupe de tout, t'inquiète. Tu peux aller jouer avec tes limaces. Tant que le pilier jusqu'au sol, il est vraiment aligné sur le haut et pas sur le bas, on est d'accord, hein. T'es parti du haut pour le Eh descendre. oui, je l'ai fait, C'est j'ai bon. parti du haut. Donc c'est bon. C'est nickel. Et encore un coup. Au moins le dernier. Ah, faut que je recherche une électrolimace jaune pour pouvoir rechercher les électrolimaces avec le scanner. Eh ben voilà. Et tu sais où il y en a? Il n'y en avait pas une Normalement, près de notre départ? il y en a une, si, mais il y en a une près du lac, là où il y a l'ascenseur, là, pas loin. De mémoire, je crois qu'il y en a une là. Ok. Ah, il y a un tout petit écart. On va corriger ça. Hop là. Et je me serais trompé? Non. Être là. Au pire, c'est qu'elle a bougé, hein. Bah oui, c'est bien connu. Bah, les limaces, c'est peut-être lent, mais ça se déplace, hein. Ah ouais. L'échelle.
Hop là, organisation, logistique. Tout pour pas de flamme à travers le sol. Donc de mémoire, celui-là, il va là. Ces deux-là, ils vont de chaque côté. Ah, c'est encore une limace bleue. Ce n'est pas la limace que vous recherchez. Ben non. Ta paume est à jaune. Ah, des petites mouches. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini de faire tous tes raccords jusqu'en haut. La Parfait. mauvaise nouvelle, c'est qu'on va arrêter l'épisode là et qu'au prochain épisode, je vais faire la même chose de mon côté au niveau de la base. Ok. Bye À plus tout le monde! bye. N'hésitez pas à aller voir la vue de Boudaf, hein. Ah, t'as dit à plus, du coup j'avais coupé au moment où tu dis n'hésitez pas. C'est pas grave, c'est sur ma vue qu'ils sauront qu'il faut y aller sur la tienne.